examinatrice et si tu arrives à la vaincre, tu passeras maîtresse. Et si on faisait un examen blanc pour que tu te fasses une idée de ce que ça donne ? Ça se trouve à m'éclater d'un coup. Allez, en garde ! Ça se trouve vraiment, tu sais, que genre, elle fait genre, elle est pas forte et tout, et ça se trouve à m'éclater d'un coup. Tes Pokémon m'ont l'air d'être bien fatigués, mais pas du tout, en plus, espèce de menteuse. Oh, désolée, j'étais tellement pressée que j'en ai oublié les bonnes manières. Non, mais toi, depuis le début, frère, je te sens pas. Mais grâce à la chef, tout est fin prêt pour un beau combat. Cette fois, c'est pour de vrai, en garde, Deuge. Je suis sûre qu'il sera aussi mémorable pour toi que pour moi, ce combat. Non, mais elle, je ne peux plus me la voir. Je ne peux plus me la voir. Elle est trop toxique, frère. Elle est trop toxique de ouf. Loup-garouche. C'est pas parce que tu te bats devant la chef qu'il faut paniquer. Relax, Pyrax. Allez, ton loup-garouche, c'est ciao. Ça dégage. Impressionnante cette capacité et cette puissance, tu m'épates. Pomote, c'est quoi? C'est électrique, non? Ou je confonds? C'est quoi? Et on va pas changer de Pokémon. Moi, je te les fais tous avec mon Lucario, frère. Ton Pomote, il va dégager avec mon Lucario. Voilà. Non, toujours pas fatal. Toujours pas. Muscule. Muscule. C'est muscle. Combat, du coup. Je suppose. Vas-y, moi, je les fais tous comme ça. Type dragon, d'accord. Ok, pour mucus du coup. Tu joues à quoi? Là actuellement je suis sur Minecraft. Mais sinon il m'arrive de jouer à d'autres jeux. Genre Dead by Daylight, Animal Crossing, etc. Coucou Jeffrey, ça va ou quoi? Yo Pro Max, ça va? Merde, j'ai pas vu ce qu'elle a dit. Ah merde, j'aurais peut-être dû changer là, du coup. Je sais pas s'il a une double... Bon, en vrai, ça se trouve, j'ai le one-shot aussi. S'il a une double truc, lui. Ouais, c'est le starter. C'est quoi sa double haut combat? Ok. Ça va. C'est presque ciao. Voici ma botte secrète. Tu vas réussir à l'encaisser? Danse aquatique. Tu meurs sur ça, Neways. Non, ça va. Bon, ça va, laisse-moi attaquer aussi. Laisse-moi attaquer. Tu es sur la OLED. Non, mais de toute façon, ça change rien, ça. Dans le sens où là, c'est mon écran de PC que vous avez. Donc, c'est pas le petit écran. Donc, en soi, ça change rien du tout. Point météore. Je crois que c'est bien point météore. J'étais jonde vide, non? En vrai.
Mais j'ai une attaque vraiment claquée au sol. Du coup, pour toi, c'est mieux de garder onde vide. Non, onde vide saute. Ok, on est d'accord. Attends, je demandais ton avis, mais... En soi, je savais, j'avais raison. Coucou, Kitoso, ça va ou quoi? Attends, j'ai envie d'éternuer. Tu vas bientôt attirer l'attention de tout le monde, j'en suis sûre. Elle m'a donné combien? J'ai pas vu les thunes. Eh bien, te voir combattre ainsi face à une dresseuse aussi douée que maîtresse Menzi, je dois dire que ça en valait le coup d'œil. Même la chef a reconnu ton potentiel, t'es vraiment super fort. Il faut que je me reprenne si je veux pas te laisser me distancer. Dès notre première rencontre, j'ai su que t'avais un truc. Un jour ou l'autre, t'atteindras le rang maître, c'est sûr. Et je suis certaine que tout va bien se passer dans les quelques arènes qui te restent. J'en suis aussi convaincue. D'ailleurs, accepte ceci. C'est une sorte d'investissement sur ton avenir. Terra Explosion. Ok. Ok, ok. Ça va, après une journée de course, ça fait plaisir de te voir en stream. C'est gentil. Coucou, Drika Rum. Ça va ou quoi? Yo, Vizen. Et j'ai du mal à lire vos pseudos. Cette capacité prendra le type Terra Crystal du Pokémon Terra Crystallisé qu'il utilise. Tu verras, un jour, on fera le plus classe des combats jamais vus. Je vais continuer de m'entraîner dur pour être à la hauteur. Mais toi, je sais pas. Menzi, on dirait elle est jalouse. On peut dire qu'elle te soutient comme une véritable amie. Non, non, non. Non, non, non. Elle a certainement de grands espoirs pour toi. Non, non, non. Son amitié, elle est trop bizarre, frère. Genre, comme par hasard, elle oublie à chaque fois de me dire de soigner mes Pokémon. Comme par hasard, elle m'emmène devant une falaise où il se passe un truc et je tombe de la falaise. Non, non, non. C'est une amitié toxique, ça, madame. Merci beaucoup, Virtuox. Merci infiniment pour ton sub. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Enfin, il est temps d'y aller. Je vais te raccompagner jusqu'à l'arène. Quelle version entre quoi et quoi, Kazuke? Ok, bon. Le jeu sur la boutique Nintendo, il coûte 60 balles. Ok. Les cours. Est-ce que les cours, c'est vraiment utile dans ce jeu ou pas? Ça va pas m'apporter des niveaux ni rien, en vrai. Ah, lui, je l'ai pas. Oh là, oh là. Boulangerie, Orno, conservatoire. Useless au possible. Ça donne des trucs. Mais des trucs intéressants ou pas? Ok. Mais je l'ai pas encore fait. Mieux vaut l'acheter en cartouche. Non, ça change rien. Un truc utile. Il y en a, ouais. Ça donne des CT. Ok. Ok. C'est un délire qu'il y a des véhicules dans Pokémon. Bah, ça fait longtemps qu'il y a des vélos et tout. En vrai. Vas-y, on va tester un point météore. Let's go. Vas-y, on va retester un point météore.
Un petit griffacier. Ok. Mais putain, tu te fous de moi là. Tu te moques de moi. Dogrino. Plus te donner de sandwich, moi. Mais oh! Mais ça va pas! Il m'a saoulé. Je vais pas lui donner une hyperbole non plus. Ah, voilà! Nickel! Il est mime sans vrai. Il est mime sans vrai. J'ai vite fait aller. Eux, je les ai tous, non? Attends, non, je crois que j'ai pas le hot dog là. Ouais, j'ai pas le hot dog. MDR. Brio chien. Je suis morte. Je suis morte. Brio chien. Non, vas-y, brio chien. Oh! Regarde touchant, on est où là? Non, j'ai pas envie de le one shot. Vas-y, on va le Pokéball. Pokéball, il rentre direct, il est trop mignon. Te dire quelque chose. Et hey, déjà quand ça commence comme ça. Non non non. Ah, y a un petit volé derrière. Après j'abuse en vrai. Super Bowl. Allez, rentre dedans. Moi j'ai pas de chance en vrai. Mine de rien. J'en ai pas. J'en ai pas. Tu te penses pas que si j'avais des rapid balls, je les aurais déjà utilisés? Ça vous vient pas en tête, ça? Ou plutôt que de me dire utilise des rapid balls, vous vous dites pas que si j'en avais, je les aurais déjà utilisés? Non, ça vous vient pas en tête, ça, hein? Oh, on est où, là? J'en ai marre. Putain. Ah bah, Neway, c'était mort. Anyways, tu es dead. T'es dead. Dead, dead, dead. Ouais, mais mes Hyper Balls, je vais pas les utiliser juste pour un chien de merde. Pour un Pokémon pas ouf, quoi. Enfin, tu vois. Bah non, je crois pas, Néwaisement m'a dit 6ème arène. Mais je suis pas du tout à la 6ème. Hein. Donc je pense pas en vrai. Oh, j'ai peur de lui faire... Ah ouais, attends, je vais lui faire un Frode Frimousse. J'avais oublié Frode Frimousse. Non mais Briochien, c'est là, faut arrêter la mascarade. Pokéball. Pourquoi tu n'utilises pas une Master Ball? Ok, voilà, purée. Ok. Tout ça pour ça. Hein. Tout ça pour un Pokémon fée, quoi. Un chien fée.
Attends, je vais... Vite fait. Bon, en soi, Evoli, on l'a déjà, les gars. Evoli, on l'a déjà. Non, mais des types faits, j'en ai dans mon Pokédex, mais juste, j'en ai pas dans mon équipe et j'en veux pas forcément dans mon équipe, en vrai. Moi, j'aime bien jouer avec la même équipe pendant tout le truc. Je vais aller chercher mes récompenses. Merci beaucoup Faba, merci infiniment pour te recevoir pour tes 25 mois de sub, merci beaucoup. Hello, de retour pour vous jouer un mauvais tour, ça va ou quoi Faba? Comment vas-tu? Une pierre nuit. Sombre ball. Une pierre éclat. Trois bonbons M. Scuba ball, je sais pas ce que c'est. Des scuba balls. Attends, je me suis trompée de... Scuba sous-marin. Ok. Bah non, j'ai toujours pas les gars. Hein. J'ai toujours pas. Hein. Pire, je m'achète des hyper balls. Hein. 200. Pire, au pire, hein. Écoutez. Au pire, hein. De quoi, Fatal? Coucou Miguel, ça va ou quoi? Bonjour madame. Non! Est-ce que j'ai réparé mes Pokémon? Oui. Oui. Alors, maintenant. Qu'avons-nous? Il y a encore des métamorphes. Trop mimi. Et lui, je l'ai pas, lui. Faudrait que j'aille le chercher. Lui, je l'ai pas. Mais sinon. C'est vrai qu'il y a le mont avec l'arène glace. Badgerène. Attends. Il y a deux arènes, là? Ok. Il y a deux arènes côte à côte. Il y a lui aussi, là. Le dominant dragon qu'il faudrait qu'on fasse. Faudrait qu'on fasse le dominant dragon. On a l'arène psy. On a le repère combat. Oh, on a pas mal de trucs à faire. Hein. Encore. Alors si je dézoome au max, comme ça vous voyez. Ouais, en vrai, les arènes, il nous en manque encore. Hein. Stardust, bon, on n'est pas loin. En vrai, on peut faire le parfum de légende, là, comme ça, on est à 5 sur 5. Pour avoir Noctali, ouais, c'est Evoli et Bonheur Max la nuit. Il faut qu'il évolue la nuit, ouais. Pourquoi t'étais plus dans l'équipe? Bah, après, t'étais pas très forte, quoi. Pas se mentir que... Et tu m'as un peu saoulée, hein. Oh, Mims! Deden. Super Bowl direct. Non, ceux qui disent que les jeux sur DS sont mieux que ce jeu-là, c'est la nostalgie qui parle, les gars. C'est la nostalgie qui parle. En plus, les Pokémon sur DS, c'était pas ouf.
Si vous parlez de X et Y, ouais, non. Ou alors, ils n'ont pas joué à lui. Ouais, ou alors. Ça, j'ai le nez bouché. Enfin, j'ai le nez, faudra que j'aille me moucher. Du coup, on irait faire le type dragon, là. Il me faut soit un glace, soit un dragon. Mais du coup, plus un glace. Mais... Ah non, c'est juste, il est à l'envers, ok. Il me disait, what the fuck. On sait jamais s'il a une pierre bleue, lui. Bon. En glace, j'ai le petit morveux, là. Comment il s'appelle, lui, là. J'ai lui, qui est glace dragon. Mais qu'il faudrait que je le fasse évoluer. En fait, il faudrait que je le fasse évoluer. Sinon, j'ai lui. Pareil, qu'il faudrait que je fasse évoluer. Donc, on peut limite le mettre... Non, mais Jeffrey. Jeffrey, rappelons-le, et ce n'est aucunement avec de la méchanceté, tu as 13 ans. C'est-à-dire qu'à ton âge, quand j'ai joué à Colossum, qui est pour moi le meilleur Pokémon, tu n'étais pas né. Donc, ton avis ne rentre pas en compte pour moi. C'est-à-dire que même quand X et Y est sorti, tu avais 4 ans. Peut-être un peu plus quand même. J'abuse un peu, peut-être un peu. Mais tu avais 5 ans. Donc, c'est-à-dire que pour moi, je comprends que tu puisses me dire que tes jeux préférés sont sur DS pour les Pokémon parce que c'est la nostalgie qui rentre et c'est parce que tu les as, c'est là où sûrement t'as connu Pokémon en premier. Mais du coup, pour moi, ça ne fonctionne pas. Genre, c'est normal que tu trouves que les Pokémon sur DS sont les meilleurs jeux parce que t'as découvert Pokémon avec ça. Donc c'est normal. Un troisième type va te retrouver dans le tableau après. Oh, j'avoue. Poison, glace, dragon. J'avoue. Du coup, on partirait avec... On fait évoluer Polaroom au pire. Juste pour le mettre un peu dans l'équipe. Et puis après, ciao, bye bye. On peut faire ça. C'est réel, mais t'es cruel. Non, mais c'est pas méchant, je rigole, tu vois. Mais c'est réel. Quand même. Le type à droite, quoi? Ah, pour Farfuré? Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, ok, le Terra Crystal. Polaroom Only Glass. Bah tant mieux, du coup. Non, mais Jeffrey, c'est pas méchant, tu vois. Mais c'est vrai. Enfin, du coup, genre, c'est normal que tu trouves que Pokémon sur DS sont les meilleurs jeux parce que tu as découvert Pokémon dessus. C'est comme moi, genre, je dis que Colossum est le meilleur jeu parce que c'est là où j'ai détruit Pokémon, tu vois. Enfin, où j'ai découvert Pokémon et où j'ai adoré. C'est vraiment Colossum qui m'a marqué. Bon, Flaxouille, en vrai, ciao. On n'a plus d'Elec, mais ciao. Ça se trouve, il faut un truc spécial pour le faire évoluer. Quoi ? Polaroom évolue ? Polaroom évolue en Polar Griffe. Chute glace. Quatre-vingt-cinq,
Je sais pas si c'est vraiment fort balayage en vrai. Oh non, bâillement en vrai ça peut être bien. Balayage fort au début. En fait, ça dépend c'est qui en face, quoi. Ouais, ça dépend du Pokémon en face, ouais. Coucou Matt, ça va ou quoi? Ok, je pense que je vais lui donner... Il va peut-être être trop haut niveau. 44, ça va. Blizzard, cette violente tempête de neige s'abat sur la cible, ce qui peut aussi la geler. 110 précision, par contre, moyen quoi. Moyen, moyen la précision. Bah, en vrai, je vais têche balayage. Hein. Si j'ai besoin de combat, je mettrai. Ouais. Calme-toi déjà, pourquoi vous vous battez? Ah ouais, non, il a raison. Calme-toi un peu. Ça va et toi, Emeric? Comment ça va? Ok. Bon, là, on est bien, en vrai. Hein. On est bien. Ok. Là, normalement, je les ai tous, à part lui. En vrai, qui du coup de l'autre côté. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le check maintenant? Bon, écoute. Merde, putain, ça je déteste. Ok, nous on va aller là. Donc on va partir par là. Est-ce qu'il a une fleur rose? Non. Pire, je fais des petits combats sur le chemin. Hé. J'ai 6 shiny, c'est bien, je trouve. Bah, j'en ai 0, mon ref. J'en ai vraiment, j'en ai croisé aucun. Je sais pas pourquoi j'ai si peu de chance avec les shiny. Hein. Odette, la serveuse. Je sais pas, Emeric, on s'est posé la question également. À vous. Ouah, mon ventre il gargouille, il est si fin. Non, 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 je te jure que vraiment on a checké tous les. Enfin, tous les Pokémon à chaque fois on les check et tout. Je te jure que c'est pas possible que je l'ai loupé. En vrai de vrai, c'est vraiment improbable que je puisse le louper. Parce que là, tu vois, à chaque fois, je m'arrête bien pour savoir si vraiment il y en a un avec une petite fleur rose et tout. C'est vraiment, c'est limite improbable pour moi de le louper. Après, tu vois, sur les Pokémon comme ça, bah, vu que je sais pas à quoi il ressemble, j'envoie mon Pokémon se fight. Sur les Pokémon où je sais pas à quoi ressemble le Shiny, j'envoie mon Pokémon se fight en vrai. Mais sinon, c'est quoi ça? Je l'ai pas lui. Terracool, mais il ressemble à ça, Terracool. Mais depuis quand? Depuis quand, monsieur? Bah, Ramolos, on en a croisé qu'un, donc en soi, je peux pas en avoir loupé, parce que on en a vraiment croisé qu'un seul. Tu vas rentrer directement dans ta Super Bowl, mon ref. Mais on n'a pas de Rapid Ball, les gars.
Une Pokéball, ça va suffire. Ah non, ouais, je sais pas. Je ne comprends pas la logique de Pokémon. Je ne comprends pas quand je lance des Hyper Balls, pourquoi ils rentrent pas dedans. Je lance des Super Balls, ils rentrent pas dedans. Je lance des Pokéballs, ils rentrent. Là, il n'y en a aucun avec une fleur rose, c'est tous jaunes. Ouais, lui, en vrai, je sais pas à quoi il ressemble son shiny. Mais bon, je suppose que c'est genre une couleur quand même qui est différente. Oh, je l'avais pas vu. Bordel, je regardais le Meowth. Oh, c'est un métamorphe MDR. Mais qui n'est pas shiny. Donc ça dégage. Ça dégage. Wesh, il me fait aggro. Ouais, j'arrivais pas à voir la couleur de son truc. Pour volonté de se confronter à la logique. Faut l'écouter, Sylvestre. De quoi ? Félix ! Félix et ciao. Genre lui il est étudiant. Bah oui mais parce que dans notre école il y a plein d'étudiants en fait. Tu peux devenir dresseur à n'importe quel âge. C'est pour ça. Oh, c'est des fleurs au fond. C'est jaune. Ok. Allez, les rouges aussi. Bon, écoute. Dis parce que je m'énerve vite, je vais commencer à insulter tout le chat. Alors, toi ? Toi, monsieur, on va vite se calmer. Follow il y a 10 minutes. Fais voir donc tes messages. S'il y a un seul message qui est bizarre, tu pars 10 minutes, hein, je te le dis. Alors, salut, garde balayage. Moi, j'ai eu un poé. Je me suis trompée de message. J'ai eu un pomme shiny. Je t'ai dit, j'ai un pomme shiny. La réponse pue la merde. Il est sol poison, je crois. Oui. Dis ce que j'ai écrit pour avoir cette réponse. Dis parce que je m'énerve vite, je vais commencer à insulter tout le chat. Je te mets 10 minutes, tu vas aller chercher un verre d'eau. Tu vas aller t'hydrater un petit peu. Ça te fera un peu du bien de t'hydrater. Hein. Là, on boit de l'eau pendant 10 minutes. On souffle, on respire, on se calme. Tu prends l'air un petit peu et après tu reviens. Une petite camomille si t'as envie. Oui, si t'aimes ça, mais on va respirer quoi. Genre là, on va respirer un petit peu. Et on va se calmer. Ah, pas la tête. Oh, trop mimi. Mais ils sont trop chauds, eux. Moi, bon, je crois que les petits, je les ai. Vous m'avez pas dit qu'ils étaient dragons, eux, d'ailleurs. Niveau 50, mon ref. Vous m'avez pas dit qu'ils étaient dragons, tout à l'heure. Même moi, je vais boire. Même moi, je vais boire. La déshydratation, ça énerve.
Attends, lequel est le moins fort? 75, 85, 110. Ça va, c'est dans l'ordre. Nickel. Nickel. Une petite Super Bowl là. Non, vas-y. Je te mets une deuxième Super Bowl. Nickel. Ah, j'avoue, pour le dérush, Bichette. Le cousin de Balou. Et il est effectivement dragon. Hein. Vous ne m'aviez pas menti. Mais lui, du coup, je l'ai pas. Si, je l'ai quand même. Ok. Wouh! Wouh! Il est où, Aquali? Vous me mentez à me dire qu'il y a un Aquali, là. Oh! Toi, par contre... Oh non, tu m'as pétade direct. Attends, insecte. Bah, t'es où? T'es là. Oh. Oh. Waouh. Bon. Il est pas mal, le jeu. J'aime bien. Non, ça va. T'étais par surprise, mon ref. Oh, ça me donne la gerbe. Je peux pas changer la caméra. Il va se noyer. Ok, c'est bon, c'est bon. Waouh. Toujours pas de shiny, non. Les métamorphes, t'en as partout, hein. Je l'ai pas non plus, ça. Qu'est-ce que c'est? Mais quoi? Mais pourquoi c'est un poisson hors de l'eau? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et niveau 49 quand même, hein. Trop pips. Il était choqué le Magikarp, j'ai même pas vu. Mais lui par contre, j'avoue, il va me défoncer ce frère. Ah non, il est poison. Il y a un aquaquac derrière. Mais c'est quoi ça? Attends, mais lui il est pas de la même couleur. Mais il n'est pas de la même couleur, lui. Si. Vas-y, hyperbole direct. Ouais, je sais, Papa Oussam, mais là, c'est OK pour l'instant. Il a trois couleurs différentes? OK. Il est trop mims. Il est pipou. Ah. Celui-ci, il faudra que je l'échange. Putain, ils sont niveau 50 quand même, hein. Nickel.
Ouais, quoi qu'il veut me défoncer là. À quoi que veut me défoncer. Mais attends. Mais oh, du coup, le counter, c'est glace aussi, non? Eh, il n'y a pas de logique, hein. Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé votre jeu. Il n'y a aucune logique, frère. Il n'y a aucune logique. Mais genre, glace, la glace, ça gèle l'eau. Donc normalement, c'est plus fort. De la glace, c'est plus fort que de l'eau. C'est pas logique. Votre jeu là. Non, ça peut fondre avec de l'eau chaude. Donc du coup avec du feu. Il demande à Gamefrack. Gamefrack. Gamefracassé. Ok. Oh, ça dépend quelle couche de glace Just for Fou quand même. Hein. On va pas se mentir que ça dépend la couche de glace. Hein. Honnêtement, bon. Oh, je vais aller à la tour. Je vais aller à la tour. En allant vers l'ouest. À l'ouest d'ici, il y a une ville et en face de toi, il y a une adversaire prête à t'affronter. Enfin, quand même, Pokémon, ça me fume. T'es dans la rue et tout, t'es dans la campagne, tu te balades. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Arboliva. Ah, c'est le truc de olive machin là. Ouais, du coup, ça lui fait pas de dégâts. Plante que tu as, si oui, il est bien classe comparé aux deux autres. Ouais, ouais, mon Pokémon Starter, il est trop bien. Ah ouais, donc lui par contre il me fait des dégâts de ouf. Il est niveau combien? J'ai pas vu. Il est niveau combien? J'ai même pas vu. Je galère un peu dans cette zone. Hein. Moi ça va me faire XP mais niveau 53. On récolte. En le tuant, tu vas récolter de l'huile d'olive. Imagine, c'est vrai. Non, mais ça va, par contre, meurs. Il va se restaurer en plus, bah oui. Ah non, c'est moi qui me restaure. Pourquoi je me suis restauré des PV, moi? Glaciation. Une vague de froid glacial frappe la cible pour la mettre KO en un coup. Cela a peu de chances de réussir si le lanceur ne possède pas le type glace. Ah mais 30 précision. Ouais c'est fort de ouf mais je le mets à la place de quoi? Bah c'est fort mais il n'y a pas beaucoup de précision quoi.
Non, Blizzard, c'est trop fort. T'es fou, toi. Qu'est-ce que tu m'en racontes, Nox Mimi? Tu veux que je te banne ou quoi? Bah, la précision, ouais, la précision, bon. Mais par contre, c'est fort de ouf. Mais après, en fait... Point glace... La purée... Ça, ça le gèle, donc c'est cool. Ça sent, ça, ça pas sent. Bâillement, en vrai, ça peut être archi fort aussi, hein. C'est de la merde, glaciation. Si t'es plus bas level, ça touche pas. C'est nul. Ah ouais? L'attaque vaut pas le coup. Ok. Où tu ailles, j'imagine. Bah, quand même, en vrai, hein, tu m'as mis du fil à retordre, toi. Quand même. Nous allons pas... Ah ouais, il a une autre couleur. Et du coup, il est shiny? Je sais pas, je me tâte. On sait jamais. Vas-y. De toute façon, il va se faire démonter, le mien. Les Pokémon en face sont trop... Bah ouais. MDR, comment il revient vers moi? Ah, je me trompe de touche. Ah oui, mais j'ai un Pokémon KO, carrément. Bon. Fini les conneries. Et je monte. Il est moche ce Pokémon. Bah, je l'ai pris pour le prochain truc que j'ai à faire, mais en soi... En soi, je vais pas le garder. C'est quoi le truc qui brille en bas? Ok, j'irai voir ça tout de suite après. Là, le problème, mon ref, c'est que bah moi, j'ai plus de Pokémon, quoi. Je sais même pas ce qui est fort contre lui, je me souviens même plus. Niveau 50 quand même. Ok. Attends, par contre, moi, il y a un truc qui m'intrigue, frère. Et on va aller voir ça directement. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire? J'espère que c'est pas un truc de dingue parce que moi, les gars, j'ai plus de vie. Le pieu s'est complètement désagrégé quand vous l'avez extrait. C'est tout? Ok. Oh, il y a des Pokémon trop bien, là. Enfin, lui, là, il est trop bien. Et il est niveau 30. Enfin, trop bien, un grand mot, mais il est cool. Non, vas-y, rentre dedans là. Il est fou lui ou quoi? Pourquoi tu me dis bonne chance? Bizarre à me dire bonne chance, les gars. Il est trop fort. Alors, trop fort, c'est pas le mot que j'aurais donné. Mais ok.
Oh non mais lui, il est fou ou quoi? Qu'est-ce qu'il me veut, Étourvol? Il y a tellement de Pokémon autour, je suis en train de checker rapidement s'il y a un Shiny. Je crois pas. Hein. Juste peur que lui, ça en soit un, là. Mais non, ça n'est pas un, du coup. Bon, je pense que les autres, je les aurais spotted. On est vers où, là? Ok. Ok, je suis pas du tout vers là où je vais aller, du coup. Écoute, on va retourner là, je vais me soigner. Et après, on va là où je voulais aller. Merci, Utsaku. Merci infiniment pour le spoil. On adore. C'est pas comme si c'était marqué dans les règles. Nickel. Nickel, nickel. Stéphane, quand vous demandez si vous pouvez poser une question, genre, en général, c'est mauvais signe de ouf. C'est mauvais signe de ouf. Non, mais ça va, j'ai pas tout lu son message. Ça me tue le descriptif de Ramolos, Pokémon crétin. Je suis morte. Oh, mon dos, il a craqué bizarre. Mon dos a craqué bizarre. Tu. Ok. Ouais, j'ai mal au dos, hein, à force de jouer avec la Switch. En fait, je suis pas habituée à me tenir comme ça. Genre, normalement, je me tiens mieux quand je joue sur PC. C'est pour ça. J'ai déjà plus d'eau. Vas-y, hein. Je pense que j'ai une vingtaine d'heures, peut-être 30 heures. J'approche les 30 heures, je pense. Après, moi, je joue vraiment en mode... Enfin, c'est ce que je disais. En vrai, je suis vraiment en mode chill, quoi. Je suis pas du tout en mode tryhard, en vrai. Allez. Oh, attends, il y a un truc là. Oh non, je suis trop basse. Wesh. Wesh. Quoi? Non mais c'est Pepper là. Non mais Pepper, il sonne ma gueule ou quoi? Et on est où? Salut Deuge. Le dominant fourbe dragon devrait être quelque part dans ce lac, mais apparemment personne n'a jamais vu à quoi il ressemble. Je parie qu'il est super effrayant. Mais comment on va faire pour le trouver si on sait pas de quoi il a l'air? Il va pas venir vers nous en criant « je suis le dominant », faut pas rêver. Je suis sûre s'il a dit « il est hyper effrayant », c'est qu'il est tout mims. Non mais je suis écœurée de là où il m'a remis par contre. Bon, quoique. Est-ce que je les ai... Oh la vache! Oh comment j'aime pas ça! Et non mais moi c'est ma phobie les gars, pourquoi vous me faites des trucs comme ça là? Sa mère! Ça va pas la tête de me mettre... Oh, on est où là? Le screamer sur Pokémon! Oh, arrêtez de me faire bugger comme ça. Il me dégoûte. Non, j'aime pas ça. Il va m'attaquer là. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Vraiment, j'ai peur des fonds marins. C'est plus fort que moi, les gars. J'ai l'impression de jouer à Subnautica d'un coup. Pas la tête. Fait peur.
Non, il est pas mimes du tout. Il te regarde bizarre et tout, là. Regarde, son... même son reflet dans l'eau, il fait peur. J'aime pas sa vue, sûrement. Non, je voulais pas le tuer, par contre. Putain, ça veut dire que je vais devoir en retrouver un. Je suis dégoûtée. Trop mimes. Tire-lui les moustaches. Oui. Ça va à la tête ou quoi? Non, oh, vas-y, il abuse. Il abuse. Merci beaucoup, Kegit. Merci infiniment pour ton reçu pour tes 25 mois de sub. Merci beaucoup, hashtag soutien. Merci beaucoup, ça va ou quoi? Comment tu vas? Comment ça va? Mais super efficace, est-ce que ça le one shot? C'est ça qui est chiant, par contre. On va tester, hein. Ah ouais, j'ai sauté dans l'eau, carrément. J'ai sauté dans l'eau. Si je fais une petite magie florale, peut-être ça va le descendre un peu, mais pas le... En vrai, ça va pas le descendre du tout même, je pense. Un peu. T'as pas lâché Pokémon de la journée? Non, ça fait 7h30, ouais. Mais j'aime beaucoup ce Pokémon. Je l'aime beaucoup, ce Pokémon. Vas-y, c'est bon, une petite Hyper Ball. Vous me faites perdre trop de temps, là. Non, je tryhard pas. Non, je tryhard pas. Oula, ça lag. Ouh, le lag. Ouh, le lag. Il est moche, mais incroyable en vrai. Mais il est pas moche du tout, Mini Draco. T'es un fou, il est trop mimes. Mini Draco est incroyable. Non, Mini Draco et Draco, je les adore. Dracolos, par contre, je l'aime pas trop. Pense à save. Pourquoi t'as peur que ça bug? Il y a la sauvegarde en cours déjà, là. J'ai la sauvegarde en cours. On a un Aquaquack. Par contre, wesh. Ah, pas la tête, Léviator. Qu'est-ce que tu me veux? T'es même pas shiny en plus. T'es même pas shiny. Ah, le jeu! Oui, ok. J'avoue, moi je croyais que tu parlais de Mini Draco. Bon, ça va ou quoi là? On est où ici? Non mais vas-y. Yes, we KO. Coucou SCP, ça va ou quoi? Yo Yannis, ça va? Faire un cosplay. Je suis morte. Nickel. Par contre, il y avait un Draco, il s'est barré. J'ai un peu la haine. Quoi ce bruit?
lag ? Ouh, ça lag. Moi. Brise le moule. Bah ouais, du coup, on est sur du pas très efficace, quoi. Ceci dit, bah, il ment. Normalement, il est un peu moins difficile à rentrer dans la Pokéball, en vrai. Bon, par contre, frère. Normalement, là, tu dors. Ok. Faut que j'aille réparer mes Pokémon, là. Ils prennent trop cher. Ils prennent trop cher. Bon, après, en vrai, j'ai des thunes et tout, donc je pense que je vais les soigner direct, là. Non, ma team, j'en suis pas... Bah, là, mon Pokémon glace, en soi, c'est juste pour faire le dragon, parce que... Je l'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas. Bon, en vrai, j'ai assez de popo et tout. Hein. Pas se mentir que... Bon. Merde, rappel. Non, il n'y a pas besoin de rappel. Qu'est-ce que je fais? Je suis nimp. J'étais partie chercher le rappel, mais en fait, j'en ai pas besoin. Vas-y, petite hyper potion. De toute façon, j'ai de l'argent. Donc, on est bien. On est bien. Ouh, le lag. Ouh, le lag. Allez, on nage, on nage. On nage. Ah, là, on nage mieux. Quoi ? Qui ? Mais ça a pas la tête. Allez, oust. Ça rame. Ouh. 2 FPS. On a du mal. Hein. Oula, faut que je me prenne n'importe qui non plus. Oula, oula. Attends, je m'éloigne un peu. Ouah. Mais il est pas shiny, je suis écœurée. Imagine, il aurait été shiny. Il aurait été stylé. Mais lui, du coup, il ressemble à quoi en shiny, là? Il y a des Pokémon, vu qu'ils ont 40 000 facettes. Oh, comment je l'aime pas, lui? Il me fait trop peur. Hein. Oh. Oh, Yakata. Je l'adore, ouais, t'es bizarre. Une tête d'hypocrite. Comment ça, une tête d'hypocrite? Allez, rentre dedans, c'est bon là. Une. Ah, mais Calinerie, ça ne fait pas du tout de dégâts en fait. Ça, c'est. Le problème, c'est que ça, je le one-shot, je crois. Tout à l'heure, je l'ai one-shot comme ça. Genre, je suis gentille, t'inquiète, alors qu'en vrai, elle te bouffera quand on se retournera. Ouais. Ouais, 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 je vois. Je vais tenter de mettre lui et de le faire somnoler.
On va tenter comme ça. Je vais voir si ça fonctionne vraiment de les endormir. Si on a un taux de capture qui est mieux. J'avoue, il fait peur, lui. Ouais, un peu, hein. Il est... Ouais. Écoute, je vais lui mettre un petit point glace. Ça lui fera pas de dégâts, mais... Mais au moins... Au moins, ça passe le tour où il peut s'endormir. Plaquage, il va one shot. Non, mais bon. Nickel. Hop, déjà là on sera un peu plus tranquille. J'avoue il fait peur lui. Ouais il fait peur. Non mais vraiment quand il est sorti de l'eau il m'a fait bader. J'avoue que quand il est sorti de l'eau il m'a fait bader. Ah ça ne fonctionne pas à 100% du coup ma théorie. Quand tu dors, tu peux pas sortir de la Pokéball quand même. Allez, Pokéball normal. Tu vas rentrer dedans, je te le dis. Je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas. Ouais, c'est un silure, ça dégoûte. Moi, c'est toujours comme ça, là. Bon. Oh, je fais des dérapages. J'ai même pas réussi à le choper, le truc. J'essaye de choper les trucs sur lesquels je passe, mais j'ai... Non ! Il y a un aqualie derrière ! C'est pas possible, Bryox. Ou alors tu viens de rejoindre le stream, mais là, il n'y a pas eu de pub. Okay. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est bien. Tu l'as snipé. Je l'ai vu de loin, ouais. J'avoue, je l'ai vu de loin. Pokémon Buller. Oh putain, le truc est de l'autre côté. Faut que je trouve un TP ou un truc pour me soigner et tout là. Ça serait cool. Pas de Pokéball là-dedans. Bizarre. Ça serait sympa de me mettre un truc pour me TP. S'il vous plaît. Oh, il mange vénère, lui. Putain, il n'y en a pas de mon côté. Oh. Bah, eux, je les ai pas, mais... Je pense que je vais galérer. Merde. Je crois que je les ai pas, hein.
Non, tu m'as pas vu, espèce de menteur. Et à côté, je les ai ou pas? Non, je les ai pas non plus, eux. Bon. Je ne fais que passer. Ça me fait... Non, tombe pas, tombe pas. J'ai envie de les prendre par surprise pour avoir plus de chances de les Pokéball. Ok. T'as eu quoi, Zapola? Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Il est fou. Il est fou, purée. En plus, moi, je vais lui faire zéro de dégâts. J'aurais dû changer de Pokémon. Je suis vraiment bête. Je suis bête. Machination. Allez, petite hyper ball. Si tu rentres pas, je te mets une pokéball. Non, je vais aller le faire, filou. Oh. Ça va, oui. Excuse-moi. Non, mais excuse-moi. Fou, lui. Il est fou, lui. Il s'est trop mal comporté. Il s'est super mal comporté avec moi. Putain, je dois soigner tout le monde, là. J'ai beaucoup de petites popos quand même. De quoi, Zapola? Ah, le Pokémon rare. Je sais pas. Attends, fais voir, c'est qui? Ah, c'est le légendaire de... Ok, c'est le légendaire de Violet. Ah, c'est normal que tu l'aies eu dès le début. Trop mime. C'est le scooter, ouais. Ouais, moi je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. Mais c'est pour ça que j'ai pris écarlate et pas violet. D'ailleurs. Antidote. Ok. Putain, ils m'ont fait chier. Ces Pokémon là. En vrai. En vrai. J'ai réussi à le choper, je sais même pas. Non, je l'ai buté, j'ai même pas réussi à le choper au final. Attends, non, j'ai pas changé mon Pokémon, je vais me faire niquer encore. Non! On envoie une Hyper Ball. Ok. Super. Yo, Skymoff, ça va ou quoi? Comment vas-tu? Ouais, je l'ai tué l'autre d'avant.
Ils me font trop rire comment ils marchent. Bon, vas-y, en vrai, si là je le chope pas. Ok, c'est bon. Ok, je voulais voir s'il y avait un truc de TP. Ah oui, il y en a un là où je suis. Ok. Et nous, faut qu'on aille là. Ok. Nickel. Ça me permet d'aller me remettre un peu à zéro. Je suis en train de me dire, en vrai, je peux aussi mettre... Enfin, je peux faire évoluer Draco en Dracolos. Mini Draco en Draco et Dracolos. Comme ça, déjà, ça me remplit mon Pokédex. Et ensuite, ça me fait deux dragons si jamais on galère avec, avec notre Pokémon Glace qui est un peu nul. Je me dis, en vrai, tu vois, ça peut le faire. Ça peut être cool. Vu qu'en soi, normalement, il est quand même assez... Ouais, il est niveau 52. En vrai, on le met à la place de Fatal, je pense, en attendant. Je sais pas. Ou alors juste, je tège Paula et... Et on fait un dragon, full dragon, mais bon, ça se trouve, je vais prendre cher aussi, quoi. Je sais pas. Après, Fatal, il est psy, mais lui, il a une attaque psy. Ça voudrait dire que j'ai plus personne qui est haut. Est-ce qu'on teste de Tej Paula et on le fait... Vas-y, en vrai, c'est bon. On va faire ça. De toute façon, Paula, je l'aime pas. Je l'aime pas. Merde, j'en ai donné 10. Bon. Petit niveau 54. Ça va peut-être me niquer son évolution, du coup. Je sais pas. Non, c'est bon. Mini Draco évolue en Draco. Draco, Pokémon de type dragon. Attends, on va prendre les S un peu. Ok. Tan 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 tan. Mais après, je sais pas si ces attaques sont bien. J'ai pas regardé ces attaques. J'avoue, Dracolos, moi je l'aime pas trop. Hein. Enfin, ça va, il est mimes, mais il a un peu une tête de con, je trouve. En vrai. Alors, on a Draco Charge, du coup, qui est en 175. Rune Protect, qui est un peu nul. Danse Pluie, en 5 tours, augmente la puissance des capacités de type eau, en baissant celle des capacités de type feu. Et Danse Draco, une danse mythique, on a que des attaques de merde. Vent violent, le lanceur déclenche une tempête de vent violent qui s'abat sur la cible et peut aussi la rendre confuse. Ok. Donc ça, en vrai, bah ouais. Il va falloir lui réapprendre des attaques, ouais. Je vais checker ce que j'ai en CT. Je vais checker ce que j'ai en CT. Ça, c'est celle que j'ai direct, non? En vrai. Terra Explosion.
vent violent, du coup, psy, électrique, électrique, feu, feu, poison, psy, sol, psy, électrique, normal, dragon. Le lanceur lacère la cible de ses grandes griffes à serrer puissance 80. On a un truc glace en vrai. Vent glace. Une bourrasque de vent froid. Blesse la cible. Oh, PP 15. Réduit sa vitesse. Précision 95. Attends, mais je me suis pas foirée en lisant mon truc tout à l'heure, moi. À la place des PP et tout, là. Ok. Bon, du coup, il est où? Putain, on en a qu'une. Ah non, c'est... Bah non, puis c'est précision 100. Ok. Mais on les a regardés, Papa Oussam. Je le sens mauvais, le Draco. Bah, le Dracula, il est pas très fort, quoi. Il est pas très, très, très fort, quoi. En vrai, on va pas se mentir que... Bon. Attends. Ouais, ouais, je sais, je sais, Domoko, t'inquiète. Oui, il est un peu nul, hein, mon Dracolos, mais bon. Vous jugez trop, je trouve. Fais voir ce qu'on a, là. Comment ça, sa nature, elle est pas bonne? Qu'est-ce que tu me racontes? En soi, j'ai assez, hein. Là. 60, 70, 80, 100. Ah, merde. Ah, mais il y a un truc qui me manque. Ah, mais Draco Griff, de toute façon, c'est ce que j'ai mis, non? Ouais, bon. C'est quoi en vrai? On va pré-shot, enfin on va au cas où. Et on mettra Fatal après, écoute. Fatal, il est boîte 7. Comme ça au moins on prend pas de risque, on a les deux si jamais. En vrai de vrai. En vrai, de vrai, comme ça... Mais non, mais il est bon, type dragon, type Terra Crystal dragon. Pourquoi tu me dis il est pas de bonne nature, toi? Et pour la griffe, il est pas dragon, il est glace, Pyrrhus, qu'est-ce que tu me racontes? Il est pas dragon, lui. C'est son type de Terra Crystal qui est dragon, mais ça Osef. Ça Osef. Vas-y, on part là-bas, du coup. Ouais, le Terra Crystal, en vrai, c'est perturbant de ouf, je comprends. Même moi, je suis un peu perdue. Pam, 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 pam. Bah attends, qu'est-ce que tu fais, toi? On va se mettre comme ça. De toute façon, dragon contre dragon, je vais prendre cher dans tous les cas, donc... Mais pourquoi t'attaques pas? Pourquoi il me fait en mode essoufflé? Qu'est-ce qu'il veut? Il m'obéit pas? Il m'obéit pas? Pourquoi il veut pas attaquer? Je suis buggée ou quoi? Je l'ai capturé 50, trop haut level.
Tu me pètes les couilles, toi. Hein. Tu me pètes les couilles. Tu comprends ce que je te dis? Il fait la grève. Mais du coup, ça veut dire que... Attends, on va tester. Est-ce qu'il va quand même attaquer ou pas? Le bâtard! Heureusement que j'ai remis l'autre. Hein. Oh le bâtard! T'es un salaud! Hein. T'es vraiment un salaud! Je te le dis, hop! Mais mes propres Pokémon que j'ai capturés avant, ils vont plus m'obéir non plus? C'est quoi ce Pokémon? Si, eux, ils vont t'obéir. Tant que tu les as capturés avant level max de tes badges. Ok. Ok, ok. Bon, Damoclès, on est où, là? Mais attends, mais contre glace, ça fait quoi? Mais normalement, pourquoi ça m'a fait aussi mal? Je suis moins bien level. Non, non, Dominique, j'ai pas chopé de shiny, j'en ai pas croisé. Oh là, Lightning Garou, ça va ou quoi? Après, il se blesse lui-même, en fait. C'est ça, le problème. Vas-y, hyperball. Nickel. Merci beaucoup, Naïlou. Merci infiniment pour ton sub. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci infiniment. Merci, merci. Tin. Ouais, le Dracolos, je suis un peu écœurée du coup. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule option. On n'a qu'une seule option. On a un petit Aquali à côté, trop mimi. Ouais, Charbambin, je... Ah, tu l'as eu? Je l'ai eu dans une petite ville. Tu veux le nom de la ville exacte? Mais après, il faut des trucs et tout par rapport à ta version. Genre, en fonction de ta version, ça sera pas la même chose qu'il te faut. Ok. Du coup, t'as pris cher pour rien, toi. En gros... Il te faut des trucs de archéomir là, je sais pas quoi. Et il faut que t'ailles... Il faut que t'ailles ici, à Pinchoria. Ici, t'auras un mec qui va te parler. Il faut que t'aies 10 trucs d'archéomir, par contre. Tu sais que ça. Oh, c'est l'évolution. Vas-y, je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard. Vous avez atteint votre destination. Oh, sushi. Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Je suis sushi. Mais t'es sérieux? Moi, je viens pour t'aider et tu me fais ça? Ça va pas la tête?
Ouais, mais c'est... Toi, tu m'obéis pas. J'ai pas compris ton message, Hiro. Alors, comparé aux autres, si, il est mieux quand même. Faut pas... Enfin, si, si tu compares ce Pokémon-là par rapport au Pokémon d'avant, si, il est mieux graphiquement. Mais oui, non, il est pas très beau pour un jeu sorti en 2022, quoi. Mais non, mais vous... Mais pourquoi... Mais... C'est trop bizarre tous les poissons là. Va falloir tous que je les batte quand même. Émile, le chauffeur de taxi, veut se battre. Qu'est-ce qu'un chauffeur de taxi fait ici, mon ref? Ouah, elle est stylée l'évolution de lui là. Mais par contre, du coup, je sais pas du tout. C'était un quoi? Lui, c'était un sol, non? Je sais plus. Bah si c'est un seul, en soi, je lui fais des dégâts. Acier. Ah ouais? Il est juste acier? Bon, on va voir. Je reprends des mots, je vais n'écrire avec des jolis Pokémon. Oui, mais là, le Pokémon que j'ai, il est pas définitif. Oh, les gars, la dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 18h, il est 19h44. Que s'est-il passé entre-temps? Par contre, j'ai un peu du mal dans cette zone, hein. On va pas se mentir. Comment faire pour devenir modérateur? Alors... ICTTN Minato, pour être modérateur, il faut que tu fasses un point d'exclamation HyperX. Une fois que tu as fait ton point d'exclamation HyperX, tu lis la petite commande, puisqu'en ce moment, il y a les Black Friday. Donc tu peux regarder si jamais ça t'intéresse pour pouvoir t'acheter du bon matos ou pour pouvoir en offrir. Ensuite, tu fais un petit point d'exclamation NZXT. Ça, c'est pour avoir un bon PC. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu peux éventuellement faire une donation de 10 000 euros. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, quand il y aura le jour où on aura besoin de modos, on fera des recrutements. Et quand on fera des recrutements, tu seras avantagé pour pouvoir être modérateur. C'est exactement ce que a fait Ori. Voilà. Aïe. Bon bah je sors la carte bleue. Ok. Attendez, parce que moi là, j'ai un petit problème. C'est que mes Pokémon prennent cher. Pas se mentir que mes Pokémon prennent cher. Et c'est bizarre qu'il y ait plein de poissons comme ça là. Je comprends pas. Sushi, sushi. Pourquoi ils sont tous à l'envers les poissons? Je comprends pas. Tous les attaquer. Merde, c'est pas très efficace. Bon, choc psy, c'est efficace. À souvenir, c'est pas là où il s'auto-tue? Je crois qu'il s'auto-tue quand il fait souvenir, non? Il dit pas sushi sushi, mais si, il dit sushi sushi. Évidemment que si, il dit sushi sushi, il est fou lui. Regarde. Il dit Shisu. Et ça fait sushi. Regarde. Sushi sou. Et là, sushi sushi. Tu sous de ma gueule, toi. Il est fou, lui. Attends, mais du coup, c'est qui est efficace contre lui? À part Dracolos.
y en a un qui ne fait pas le même bruit que les autres. Ah, mais il y a vraiment un truc. Ah ouais, moi, je bute juste... Ok, moi, je les bute juste en mode random. Vas-y. T'es sérieux ou quoi? Mais tu sais que le dominant, moi, il va m'éclater, hein, les gars. Je suis pas assez level. Hein. Trop cher, je suis un peu nul, hein, du coup. Flamèche aussi. Hein. Ah ouais, le backseat, les gars. Oh, oh, oh! MDR, le backseat, je suis morte. Non mais déjà, ouais, vous m'avez dit que normalement il doit prendre un autre truc. En vrai, je les aurais juste fait un par un, je pense. Donc en vrai, on a gagné du temps, mais... C'était pas non plus très utile, quoi. C'est bon, j'ai compris. Dominant. What the fuck? Ah, c'est lui le dominant, il me dégoûte, hein. Il me débecte. Forbe dragon. Il est même pas dragon. Je pète un plomb. Bon. T'as pas Pokémon électrique? Bah non, je l'étais pour pouvoir mettre un Pokémon glace. Mais déjà, je vais l'endormir. Merde. Bon bah, je vais pas l'endormir. Je vais l'endormir. Maintenant. Mais nique ta mère! Pardon. Oui, je vais mettre mon starter, mais... Mais pourquoi... Pourquoi on me dit dragon? C'est son, c'est sa cristallisation de merde, là, mais du coup... J'ai la haine. J'ai la haine. Allez, barre-toi là, c'est bon. M'a saoulé. Trompeuse d'apparence. Bon, lui, soigné. Putain, les gars, vous faites grave du. Non, mais Auxerine, tu fais grave du backseat en vrai. Je sais pas si tu t'en rends compte ou pas. Mais alors, je sais pas si tu te dis, elle a deux de QI, du coup, elle va pas comprendre mes phrases subtiles. Mais frère, je te jure, tu fais du backseat de ouf, hein. En plus, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Du coup, tout ce qui est subtil, etc., je le comprends rapidement. Mais bon. En vrai, Dracolos, je vais le tèche. De toute façon, je peux pas l'utiliser, donc... On va remettre mon Pikachu, hein. Enfin, pas mon Pikachu, mon Raichu. Je sais pas où il est, d'ailleurs.
Where is it? Where is it? Flaxouille. Mais Flaxouille, non, t'as 10 niveaux de moins, c'est pas possible. Flaxouille, c'est pas possible. Bon, écoute, on va y aller comme ça. Faut que je retourne en arrière. C'est là-bas qu'il faut que je retourne. Bon, écoute, on verra. Mais Dracolos, je peux pas le... Oh, comment je les aime pas, ces poissons-là. Dracolos, je peux pas le gérer, les gars. Il est trop haut niveau, j'ai pas les badges pour. Je peux pas le gérer. C'est genre... C'était sûr. Je vous avais dit quoi tout à l'heure? Quand Pepper, il a dit « Ouah, c'est sûr, le Pokémon dragon, il est vraiment terrifiant. » Je vous ai dit, c'est sûr, il est trop chou, genre. Genre, c'est un petit Pokémon et tout. Je vous l'avais dit direct. Je vous l'avais dit direct. C'est lui, le dominant fourbe dragon. C'est un énorme dragon. Ou pas du tout, en fait. C'est clairement un Pokémon poisson. Wesh. Il la graille, là. Le sushi. Il s'est fait gober par le gros dominant. C'est quoi cette chaîne alimentaire? Merci beaucoup, Reiko. Merci beaucoup pour ton sub. Ah oui, il a graille le poisson, frère. Bah ouais, mais du coup, je me retrouve toujours en pas efficace, quoi. Putain, mais pourquoi? Mais pourquoi? Il s'appelle Dragon! Allez. Oh, puis j'ai pas soigné mon mascarade. Allez, fais dodo. Ciao. Ouais, Kix. Mais en vrai, moi, tu sais que je kiffe le jeu Pokémon. Je pense que quand je vais l'avoir fini, je serai un peu dégoûtée. Hein. En vrai. Hein. Kiffe perso. Bah ouais, c'est pour ça. Moi aussi, je kiffe le jeu. Du coup, je vais être un peu deg. Ça va et toi, DSHS? Deuge, on a réussi. Maintenant qu'on a battu le dominant, à nous, les petits sucres. Sucre. Hein? Oh bah, il s'était pas fait manger, celui-là? Chui-chui. Aussi dominant. Je l'ai lu vraiment lettre par lettre. C'était trop mignon comment je l'ai lu. Je l'ai vraiment lu. Je suis aussi dominant. Putain. Ouais, ça craint. Il a l'air de vouloir se battre. Ah ouais, non mais attends. Non mais vas-y. Moi j'ai plus de Pokémon là. Ah bah là c'est déjà un peu plus efficace. Vas-y, on va y aller en efficace comme ça. Dracochoc.
faire massacrer. Ah ouais, en plus, il évite les attaques. Bon, attends. Tu vas me faire un petit bâillement. Il est pipou. Mais je vous avais dit, de toute façon, quand il a dit « Ouais, le dominant, nanana », du coup, ça veut dire on a pété la gueule à un mec pour rien, genre. On a pété la gueule à un poisson, là, pour rien. Bah ouais, en soi, j'ai juste lui avec son psy, quoi. Non, mais Andreas, tu m'as demandé si j'avais eu des shiny il y a actuellement 2 minutes. Par contre, j'avoue, c'est super efficace sur moi, en fait. C'est pas très grave. En vrai, on va l'avoir, mais... Juste... peut-être galérer moi, parce que j'ai pas les bons Pokémon. Quoique, en vrai, ils sont endormis, c'est bon. Allez, c'est ciao. C'est ciao. Non, en vrai, moi j'ai pas de chance sur les shiny, les gars. J'en ai toujours pas un. En fait, moi, je fais une aventure un peu différente des autres streamers, tu vois. Les autres streamers et tout, ils font des défis en mode avoir des shiny. Moi, je fais des défis zéro shiny. 46 heures de jeu, zéro shiny, quoi. Il doit avoir une épice secrète à l'intérieur. Allons-y, Deux. Non, impossible à Tony. Oh! Une hyperbole. Non, c'est une super en plus. Je sais même pas. J'ai oublié la super et l'hyper. La voilà, la dernière épice secrète. Corsé. Elle est corsée. Alors, que nous dit le bouquin à son sujet? L'épice secrète corsée stimule le métabolisme. Ça dit qu'elle agit sur le système cardiovasculaire et aide le corps à mieux éliminer les toxines en lui faisant produire plus de sueur. Parfait. Et maintenant, c'est l'heure de la popote. La popote. Des bisous, Kix! Allez, hop, hop, hop. C'est la popote. Ultime de Pepper. Un délice nutritif aux épices. Et voilà ton badge, mon ami. Serre-le contre toi pendant que tu te régales. Et je l'aime trop, Pepper. Ah ouais, par contre... ça sent pas très bon, quoi. Allez, l'autre va me péter mon sandwich, comme d'hab. Agro Graou. Agro. Lui donner Graou. Gros assis. Ah, il a changé un petit peu son discours. Coraidon a appris la capacité de monture escalade. À ton tour, mon beau. Oh là là, petit loulou. Tiens, Dogrino, mange ça. Yo, Yukom, ça va quoi? Ça va te faire du bien, je te le jure. Deux et moi, on s'est donné à fond pour toi.
Enfin, surtout moi, quand même. Pour que t'ailles mieux. Et tu verras, on rejouera à la balle ensemble. Comme avant. Tout ce que je veux, c'est que t'ailles mieux, s'il te plaît. Agro. Séquence émotion. Ah, s'il a préparé les sandwichs, en vrai. Oh, t'es une horrible personne, psychose. Togrino. Tu t'es accroché et t'as jamais perdu espoir. Je suis si fière de toi. Non, la Pokéball, elle est par terre. Ok, ok, c'est dans la cinématique. Quoi ? Oh ! Oui, mon beau. Oh, c'est trop mignon. Je pleurais, premier degré. Eh, premier degré, ça, je sais pas pourquoi ça me rend émue. Relisou, c'est parce que Lisou, elle vient d'arriver. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mime, ça. Il pleut. Rentrons. Non, en vrai, je pleure pas, j'ai les larmes aux yeux, c'est différent, j'ai de la poussière dans l'œil. Non, elle est mignonne, la quête de Pepper, ouais. Allô, Deuj, ici Olim. Agro. Coraiden semble avoir retrouvé tous ses pouvoirs d'origine, hormis celui de se battre. Il peut désormais grimper aux parois lorsqu'il est sous sa forme monture. Puis sur le bouton B pour sauter sur une paroi en face de vous, vous pouvez l'escalader et utiliser ensuite le stick gauche pour vous déplacer librement à la paroi. Appuyez à nouveau sur le bouton B pour lâcher prise. Agro. J'ai eu raison de te faire confiance pour cette mission, Deuj. Vas-y, balance-toi des fleurs pendant que t'y es. Cette voix, Pepper, c'est bien toi ? Je cherchais un moyen de te contacter depuis si longtemps, car tu es la seule personne capable d'accéder à mon laboratoire. C'est une blague ? Rends-toi au laboratoire du phare sur la route de Kutchalaga avec Deuj. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous y serez. Le changement d'émotion sur la tête. Groof. Il était comme s'il a fait. Ça me fume. Tu le sais peut-être déjà, mais en fait, la professeure, c'est ma mère. Elle était jamais à la maison, toujours trop occupée par ses recherches. Ça faisait des années que j'avais pas entendu sa voix. Et t'as vu comment elle traite son fils après tout ce temps comme un vulgaire larbin. Il est où le respect? Ça se fait pas sérieux. Enfin, j'imagine que tu veux quand même aller au labo avec Coraiden, pas vrai? C'est pas de gaieté de cœur, mais bon, je veux bien t'accompagner. J'aime trop Pepper! Le laboratoire est au phare qui se trouve sur la route de Kutchalaga. Tu te souviens, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Allons-y maintenant, avant que je change d'avis. Vas-y. Vas-y, vas-y. C'était vraiment elle. Putain, ça daronne, le pauvre. Le pauvre. Direction le laboratoire. Ok, est-ce que je peux re-rentrer dans la grotte ou pas? Ouais, non, je peux toujours pas. Hein. Je peux toujours pas. Bon, ici, en vrai, il y a quelques Pokémon qu'on n'a pas, mais moi, j'aimerais bien avoir les... Poké rapide. Les rapid balls. Putain, lui, on l'a pas fait, Stardust. En vrai, il nous reste pas mal de Stardust et tout. Là, on a juste terminé les dominants.
On a juste terminé les dominants, il reste juste le truc dans le labo. D'ailleurs, j'ai même pas écouté où c'était le truc du labo. J'ai même pas écouté où c'était. Non, ça c'est un patch. C'est où? Mais Siamatic, je m'en souvenais, c'est forcément un endroit où j'ai déjà été, hein. Je suis bigleuse, hein. C'est où? Début du jeu. Mais c'est là le début du jeu, du coup. Ah ouais, c'est là, ok. Au laboratoire du phare sur la route de Kuchagala. Kuchalaga. Kucha, je sais pas quoi. En vrai, je vais retourner là-bas, mais je vais pas le faire ce soir. Je pense pas. Je vais aller manger là. Je vais me stop un peu, les gars. Ça va faire 8h. Ça fait 8h30. Ça fait. Aïe. Ça fait 8h30. Qu'on est en live. Du coup, je pense que je vais stop un peu. Une pause s'impose. Exactement. Exactement, c'est très bien dit même.